La revanche des îles épisode 2. Les mecs, je compte sur vous pour laisser le like sur la vidéo. Et toujours, si vous voulez acheter Scrap ou un autre jeu, ça se passe dans la description, direction G2A. Allez, bisous. Qu'est-ce que tu nous fais là? Que je t'en pose des questions. Hein? Oh non. Alors c'est vrai que la dernière fois les mecs, effectivement, on me le dit à l'instant dans le chat, on avait fait des petites îlettes. Des petites îlottes, des îletons. On peut appeler ça des îlounets. Aujourd'hui, on va passer sur quelque chose d'un peu plus... péchu, j'ai envie de dire, tu vois. Des bonnes petites îles. Déjà, aujourd'hui, El Suicido, interdit. Tête chercheuse, interdit. Bien sûr, hein, toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit like. Ça fait toujours plaisir. Tu vois, je te vois pas, j'ai le live à côté. Hein, hein? J'ai le live sur mon deuxième écran. Eh, mais il va te tuer. Eh, hey, pas moi. Les gars, va chez le fil. Enfoiré! T'es en train de me dire là tout de suite, moi je vois des grands projets, hein, j'ai des grands projets dans ma tête. T'es en train de me dire que je vais faire une armée de robots dans mon île volante. Ça marchera pas. Aujourd'hui j'ai les idées qui fusent. Ça t'inquiète, ça le fait. Dans 5 minutes, le truc qui vole n'importe comment. Ok. Ça c'est pas mal. On va voir un petit peu ce que tu veux aujourd'hui, Luffy. On va voir ce que t'as dans le ventre. C'est mon petit endroit secret. Mon petit jardin secret, tu vois. Voilà. On a tous des petits secrets dans la vie, Sofiane. Hein? Ouais, moi j'aime bien, moi. Mais avant de commencer cette battle totalement épique, laissez-moi vous présenter Frag Pro Shooter qui sponsorise cette vidéo. Le meilleur shooter de 2020, oui rien que ça, célèbre son deuxième anniversaire. Vous connaissez très certainement déjà ce jeu puisqu'il a réuni plus de 70 millions de joueurs en 2 ans. Il se joue spécialement sur tablette et mobile avec plus de 1 million de joueurs qui se connectent chaque jour. C'est un jeu créé par OBB, un studio français, et vous pouvez dès maintenant aller dans la description et bénéficier de 7€ de récompense grâce au lien qui s'y trouve. La règle est simple, détruire les tours adverses le plus rapidement possible. Le premier qui arrive a gagné. Collectionnez des personnages. Plus de 90 disponibles. Ils ont tous des rôles et pouvoirs spécifiques. Créez votre deck et construisez votre propre stratégie afin de détruire les bunkers et la tour adverse. Comme je vous le disais, 90 personnages ont rejoint Frag depuis le lancement du jeu. Comme par exemple Zap Girl, la vraie superstar de Frag qui foudroie tous ses adversaires. Takeshi le génie avec son robot fait main. Ou encore Arkon, le demi-dieu qui envoie des éclairs causant énormément de dégâts. Eh bah mon vieux, rien que ça. En 2 ans, Frag a sorti de nombreux modes de jeu. Le mode 2v2, pour plus de fun, tu peux créer une team avec un pote ou un random pour affronter 2 autres joueurs. Le mode Street Frag où tu pourras jouer dans une carte plus petite et le jeu sera plus rapide. Et le mode Pelade, le dernier sorti, il faut être le premier joueur à escorter ton chariot jusqu'à la victoire. Et bien écoutez, si cette petite présentation vous a plu, je vous invite dès à présent à rejoindre mon club sur Frag. On pourra bien sûr jouer ensemble et défoncer le reste du monde. Et n'oubliez pas que dans la description, vous avez un lien pour télécharger Frag avec des ressources gratuites. Oui, c'est le petit cadeau des familles, même pour ceux qui ont déjà installé le jeu. Vous recevrez gratuitement 7€ de ressources, un coffre d'or, 500 pièces, 50 diamants et une offre spéciale juste pour vous. Allez, c'est rien, va, ne me remerciez pas. Moi, par contre, je vous remercie d'avance si vous avez utilisé le lien qui se trouve dans la description. Ça soutient et ça aide la chaîne. Allez, sur ce, on y retourne parce que c'est pas le tout, mais j'ai une île flottante à construire. Ouais. Oh. Regarde-le, lui, là-bas, là. Personne ne se doutera de rien. C'est pas mal, ça. Regarde, regardez les mecs, regardez. Trappe secrète activée. Merde. Ouais. Trappe secrète en action. Deuxième sous-sol engagé. Ça, je m'y crois déjà, mon gars. Oh là, bouge pas, mon gars, t'inquiète. Je t'attends, Sofiane, aujourd'hui, là. Ça risque de défourailler 2 secondes. Ouais, je pensais que... Oh là, les mecs. Mur secret de la mort. Un peu loin, mais genre, c'est pas encore au point, mais ça fait 10 ans, ça, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Préparez-vous à chialer dans les commentaires, les mecs. Putain, comment ils sont pétés les canons à eau, mon vieux. Comment ça s'arrête que dalle. À part arroser des plantes, pas grand chose. Putain, je m'attaque tout seul avec le recul, j'ai pas pensé à ça. Tête chercheuse. À vous de jouer, mes têtes chercheuses. Attends que tu croises mon île, mon gars. On a perdu, le fil a gagné, je te le dis. Non, je crois pas, moi, t'inquiète pas. Tu vas changer d'avis quand tu vas me voir. Bah, ça m'a m'impressionne pas du tout, moi, monsieur. Non. Méfie-toi de l'île céleste, Luffy. Putain, merde, pourquoi ça veut pas. Ah, ça va pas être possible, Nathan. Ça va pas être possible, là, on a des comptes à régler, là. Je serai toi, je viendrai pas, ça peut être dangereux. Reste à l'écart. Mêle-toi-en pas, Nathan. C'est pour toi que je dis ça. Reste de côté, Nathan. Là, je vous le dis, il va y avoir un peu de violence. Allez, les mecs, on va commencer à mettre les bouchées doubles, là, un petit peu. Ça fait combien de temps qu'on construit? Ah, ça fait 1 heure. Puissance maximale. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Tu sais comment je vais l'appeler, ma construction? Tu sais, faut toujours donner un petit nom à sa construction. Ouais.
La boucherie. La boucherie, ah voilà. Eh non mais, eh gros, mais même pas en rêve, tu vas faire crasher la map avec ton truc là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vois la boucherie? La boucherie? Ah ouais, t'inquiète, je vais l'appeler l'incinérateur max 1000 mon gars. La boucherie alors là, va pas avoir aucune pitié. T'inquiète pas, l'incinérateur max 1000 va s'occuper de ta boucherie. Le bousculateur! Ouais, le bousculateur, parce qu'il va vous bousculer, c'est pas mal ça. Ouais, c'est vrai que c'est moins impressionnant que la boucherie, mais t'inquiète pas, je pense que vous allez trembler devant lui. Puissance maximale! Ah, j'avais pas prévu ça, par contre, j'avais pas prévu ça, les mecs, vraiment. Merde! Fais voir un petit peu, là. Ouais! Ça, c'est ma trappe secrète. Ça, c'est mes réacteurs. Ok, d'accord. Déploiement de la puissance maximale! Puissance céleste au clocher! Putain, ça va pas du tout, les mecs. Ça va pas du tout. Je vais voir comment je vais utiliser la puissance céleste. Mais c'est vraiment en cas de pépin, la puissance céleste. Hein. Moi, je vous le dis, les mecs. Hein. C'est en cas de coup dur. Hein. Je vais rajouter une dernière botte secrète, les mecs. Je suis quasiment prêt. Attends. La puissance céleste, c'est quelle touche, la puissance céleste? Ok, d'accord. Le bousculateur, les mecs. Le bousculateur des enfers. Par contre, la puissance céleste, je vous le dis, les mecs. La puissance céleste, ce sera la destruction massive. Ce sera le tout pour le tout. C'est tout ou rien, la puissance céleste. Je pense que c'est ce qui va nous foutre en l'air tous. Après, moi, j'ai pas eu le temps de faire exactement ce que je voulais avec la boucherie. Moi non plus, j'ai pas le temps de faire exactement ce que je voulais. Mais la prochaine fois, ce sera encore... la prochaine fois, on va monter encore le niveau, quoi, tu vois. Ah ouais, t'inquiète, le bousculateur est sorti. Regarde-moi ça, ce qu'il a fait, le fils, en une heure. Vas-y, viens. Vas-y. Puissance céleste, les mecs. Ouais. Bon, on attend d'ailleurs, puis il avait perdu direct. Non, ça, non, parce que... Non, je vous préviens, les mecs, il n'y aura qu'une puissance céleste. Vous avez vu un peu, bon, et encore, là, j'ai pas tout envoyé. Lâchez un like. Oh, putain. Attends, fais voir, Luffy. Ah, t'es comme ça, toi. Ah ouais, toi, t'es comme ça, toi. Ok, d'accord. Vas-y, c'est parti, les gars. Ciao, les mecs. Salut, les losers. Ciao les losers. Attends, j'aurais bien voulu voir ta boucherie décoller, moi. Je suis tout droit, moi, regarde. Ah, tu veux l'avoir décollé, attends, bah, attends, je redescends. Une boucherie. Bah attends, je redescends. T'inquiète. Non, t'inquiète, reste en l'air, je monte. T'inquiète, j'arrive. La boucherie. J'arrive. Ah, c'est... les mecs, juste, c'est pas bien. Ça devrait être mieux. Voilà, c'est déjà plus stable. Allez, rendez-vous en haut, les mecs. Le bousculateur vous attend. À la tête. T'inquiète. Rendez-vous dans ma cale secrète. Cale secrète du bousculateur. Merde. Qu'est-ce qu'il a foutu? Les mecs, récupérez-le, je l'ai pas enregistré. Non, je le tue, hein. Moi, je l'attaque, ton truc. Non, je suis passé à travers ma cale secrète. Les mecs, non, arrêtez, je l'ai pas enregistré, putain. Je l'ai pas enregistré, gros. Je vais aller chercher mon bousculateur. T'inquiète pas. Ah, si, il est là. Ah, il est là, c'est bon, je le vois. Je le vois, les mecs, je vais récupérer mon bousculateur. Attends, je suis pas sûr de moi. Attaque suprême. Voilà, c'est bon, je suis rentré à la maison. C'est bon, non. Larguez les bombes. Arrête. Pas tout de suite, les filles. Ah tiens. Eh, chier. Comment tout est passé à côté, mon gars? Ils sont tous passés à côté, tes vieilles bombes. Puissance maximale. Ok. Alors, mon gars, goûte au bousculateur de la mort. Infiltration. Bousculateur. Infiltration. Ah, il est là-bas, Sofiane, il est là-bas. Ah, mais t'es descendu. Bouge pas, je vais dans ma cale secrète et je vais te guider. Ouais, vas-y, ouais. Attends, je fais une marche arrière. Vas-y, fais une marche arrière. Par là. Là, ouais, vas-y, tourne, Luffy. Vas-y. Mauvais sens. Fais-moi tourner. Attends, mauvais sens. Non, c'est le bon sens, hein. Là, c'est bon. Ah, vas-y, ça... ouais, j'ai tourné un peu. T'inquiète, puissance maximum. Il m'emporte. J'ai remonté le pied, t'inquiète. Viens vers moi. Je ne sais pas tourner, Sofiane. Allez, je ne sais pas tourner. Mur de canon en place. Feu! Je fais feu dans le vent, franchement, ça marche pas. Rush! Avec les mods, c'est mieux, franchement. C'est mieux, ouais, avec les mods, c'est mieux. Ouais, c'est vrai. On est trop habitués, nous, ouais, c'est vrai. Avec les mods, c'est beaucoup mieux. Puissance céleste!
C'est vrai, c'est mieux les modes. C'est vrai, fais-moi tourner le fil. J'ai des spasmes comme ça, ça arrive, les mecs, hein, faut pas vous en faire. Hein. Regarde, j'arrive sur la boucherie. Puissance maximum. En route. Tu as raté. Tout ça pour que je passe à côté. Attends, j'arrête de tourner, vas-y. Non, parce qu'il me rattrapera jamais, Bouyakam. Ouais, je suis trop lourd, moi. Il me rattrapera jamais, il est nul, Bouyakam. Elle est pourrie, sa boucherie. Moi, la fille. Moi, tu peux me tourner, la fille. T'inquiète, moi, tu peux venir me tourner, la fille. Et franchement, heureusement que la fille est là pour construire des dingueries. Ouais. Parce que sinon. Là, on serait resté en train de se regarder, le blanc. On s'attirerait pas tous les. Prépare-toi, la boucherie. C'est bon, la fille, arrête. Tu m'as trop fait tourner. On va pas vous décevoir, les abonnés. Les abonnés, ils attendent que ça. Ils attendent ce face à face. Ils veulent que ça, les abonnés. Ça fait des années qu'ils attendent ce face à face, Sofiane. Maintenant, c'est tête à tête, toi et moi. C'est un peu comme un duel à mort, Sofiane. Pour la fille, tu seras là pour arbitrer ce duel. Attends. Il va se disputer un match à mort là. Ouais, par là, la fille. Pousse-moi, pousse le cul de mon île volante. Je mets un petit coup de puissance céleste. J'avance un peu. Voilà. Vas-y, tout droit, la fille. Ok. Ouais, encore un tout petit peu, la fille. Attends, bouge pas. Prochaine fois, tu pourras faire un combat de bateau avec la mage de l'eau en créa. Ah, ça pourrait être pas mal. Oh, bien, ça. Ce serait terrible, mais y a pas d'eau, là, en bas. Non, y en a pas encore, faut qu'on fasse une map. Oui. Stop, la fille, stop. Ok, stop. Tout. Ok, la boucherie. Est-ce que tu m'entends, la boucherie? Ouais, je t'attends, ouais. Puissance maximale. T'es mort, la boucherie. Ah non, je passe à côté. Non. Ah la boucherie. J'ai pas... J'ai pas assez de puissance encore, mais... C'est pas mal. C'était pas vraiment un face-à-face, mais c'était pas mal. C'était pas mal. On se reverra à la boucherie. On se reverra à la boucherie. Putain, faut que j'arrête de gueuler, mon gars. C'est... Désolé. C'est l'émotion.